Zacharie, chapitre 5. Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, « Que vois-tu ? » Je répondis, « Je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. » Et il me dit, « C'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. » Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. L'ange qui parlait avec moi s'avança, et il me dit, « Lève les yeux et regarde ce qui sort là. » Je répondis, « Qu'est-ce ? » Et il dit, « C'est l'épha qui sort. » Il ajouta, « C'est leur iniquité dans tout le pays. » Et voici, une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Il dit, « C'est l'iniquité. » Et il la repoussa dans l'épha, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux et je regardai, et voici, deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes, elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'épha entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Où emporte-t-elle l'épha ? » Il me répondit, « Elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar, et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu. »